Ah, on va faire ça, on va faire une autre chose avant, je vais faire qu'un seul. Ma table des phases, hein, il y a tout un système de filtrage. J'ai des trucs prédéfinis là, et je peux me faire ce qui est sur custom. Je lui dis, je veux voir que des phases qui sont upwind. Je pourrais dire aussi, je veux voir que des phases qui sont en J1 ou en J2. Je pourrais lui donner des critères sur des variables, des trucs comme ça. Et donc ce filtrage, les phases, elles existent toujours. Soit dit en passant, il ne faut pas oublier quand vous travaillez là, de faire assez souvent, je sauvegarde mon fichier d'événements, parce que toutes mes phases, elles sont sauvegardées là-dedans. L'intérêt de filtrer ces phases, donc nous, on a déjà vu un premier filtre quand on a généré des phases. On a utilisé des filtres, etc. Ça a créé des phases. Maintenant, les phases, elles sont toutes là. Tout ce que je suis en train de faire, c'est de dire, tu m'en caches temporairement quelques-unes. L'intérêt, c'est que tout ce qu'il y a dans ma table, c'est ça, quand je vais faire des graphes, c'est celle-là qu'on va voir. Donc après, je peux le décacher et je peux refaire un autre graphe avec autre chose, etc. Quoi. Et quand je vais faire un rapport sur des phases, ça sera un rapport sur les phases que j'ai sélectionnées. Là, mon filtre actuel, il y a 29 sur 53. À tout moment, je peux faire clear filter. Voilà, je retrouve mes antiphases, je retrouve mes phases downwind. Allez, on revient sur du upwind.